Coucou, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et il s'agit des sorties du mois de juin. Alors je suis un peu désolée que ça soit un coup sur deux les vidéos de ce genre, mais franchement il faut que j'ai le temps pour le faire, tout ça pour la tournée, j'ai toujours pas réussi à trouver une version qui me convenait et là vous vous en rendrez compte? Vous vous en rendrez vite compte, ça va être une troisième version en fait. Déjà j'avais tourné deux vidéos et j'avais un peu changé le système d'explication des sorties, tout ça. Et en fait, parce que d'un côté, j'ai envie de vous mettre plus de livres pour que vous ayez un plus large choix, quoi. Si, parce que, par exemple, si moi, je suis pas une série que vous suivez, ben, vous n'aurez pas l'information que tel livre va sortir. Et le problème, c'est que moi, si je connais pas l'histoire, ben, pour l'expliquer, tout ça, c'est un peu difficile. D'un autre côté, si j'explique vraiment tous les romans, si j'explique tous les résumés, tout ça, ben, ça prend un temps phénoménal. D'habitude, mes vidéos, je crois qu'elles durent aux alentours de 25-30 minutes. Alors, je trouve que c'est vraiment trop long. Alors, pour cette fois, j'ai décidé de parler moins et de mettre des petites fiches, on va dire. Donc, où il y aura juste la page de couverture et puis les choses essentielles. Donc, le titre du livre, l'auteur. Quand la date de sortie, l'éditeur, enfin des choses comme ça, il n'y aura pas de résumé parce que ça aurait pris vraiment trop de place. Par contre, il y a des petits mots donc pour savoir si le livre peut vous intéresser, donc des thèmes style la magie, romance, comédie, enfin voilà, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire quand vous aurez regardé la vidéo si cette version-là vous plaît plus que les autres ou laquelle vous plaît le plus. J'essaie de trouver en fait quelque chose pour combiner, quelque chose qui soit facilement réalisable, pas trop long à faire, quelque chose qui soit plus simple à vous pour lire, enfin des choses comme ça. J'essaie de faire le maximum. Donc s'il y a des livres qui vous intéressent, comme j'en ai mis beaucoup cette fois-ci, je vais pas mettre chaque lien vers chaque fiche de livre, je vais juste vous mettre Amazon. Je pense que tous les livres sont disponibles dessus. Donc, comme d'habitude, il y aura une première partie pour les romans et une deuxième partie pour les mangas. Donc on commence pour les romans tout de suite. Donc pour moi, les romans qui m'intéressent le plus, il y a Let the Sky Fall. C'est le tome 1. Donc il a l'air pas mal, qui a une histoire un peu fantastique avec une fille qui a réussi à survivre à une tornade. Il y a Phobos, qui est un premier tome aussi, qui parle de jeunes adolescents qui partent sur Mars, qui sont envoyés sur Mars pour voir si la vie y est possible. Et celui que j'aimerais vraiment acheter, il s'agit de Young Elites de Marilu, donc celle qui a fait la trilogie Légende, qui est pour moi une superbe série de dystopie. Si vous aimez le genre Hunger Games, c'est vraiment quelque chose qui peut être à la hauteur et qui peut vous plaire. Donc tout de suite, les sorties romandes du mois de juin. Donc nous voilà, et maintenant vous allez voir les sorties concernant les mangas. Alors personnellement, je suis assez attirée par la série Rockamelt, qui a l'air pas mal. Ils en sont au deuxième tome, alors je vais attendre un peu que ça sorte plus pour pouvoir les enchaîner un peu, parce que j'aime pas trop attendre. Ma fausse petite amie a l'air pas mal aussi, c'est le début d'une série. Donc concernant les séries que je suis, il y a la sortie de Maïrunovitch, le tome 11, donc ça annonce bientôt la fin, sachant que le dernier est le 12. La série How Do You Love Me se termine avec le tome 7, alors vu que cette série me faisait de l'œil en fait depuis pas mal de temps, puisque les couvertures sont vraiment super je trouve, peut-être que je vais plus me pencher sur cette histoire, sachant que maintenant elle est terminée, donc je pourrais tous les acheter d'un coup.
Donc tout de suite, les sorties manga du mois de juin. Donc voilà, c'est fini pour ma vidéo. Ben, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous préférez cette version plutôt que les anciennes que j'avais faites. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!